faut pas se mettre martel en tête et se dire faut absolument que l'on diversifie. C'est faut pas confondre le moyen et l'objectif. L'objectif, c'est de dynamiser par exemple une créativité. Un des moyens, c'est de diversifier l'équipe. Faut pas que la diversité devienne l'objectif. La non-discrimination peut être un objectif. La diversité, ça s'explique un petit peu plus difficilement. Sauf si c'est une volonté du management. Mais dans ce cas-là, c'est pareil, on sait pourquoi on le fait. On le fait parce que c'est une volonté du dirigeant, parce que ça fait partie de la culture de l'entreprise. Je sais pas, quand on prend Google, le fait de dire il y a 10 à 20% du temps de travail qui est consacré à des projets personnels, c'est une volonté d'entreprise. Tant qu'on sait pourquoi on le fait, c'est bien. Mais le faire parce que c'est au goût du jour, se conformer à la mode du moment et d'en faire une politique d'entreprise, c'est un petit peu dangereux parce que c'est pas forcément dans les intérêts de l'entreprise. Se l'imposer, à mon avis, c'est possible, il faut juste savoir qu'à des moments, on ne va pas recruter les bonnes compétences pour respecter un quota. Je trouve ça un petit peu dommage.